précédemment dans La femme et le pouvoir. Chérie, chérie, s'il te plaît, fais jour. Accompagne-moi à la maison, s'il te plaît. Je dis quoi? Il fait jour, regarde, il fait jour. Tu dis, tu vas rentrer? Oui, il fait jour, tu vois pas? Attends. Laisse prendre le petit déjeuner d'abord, après je te raccompagne. Chérie. D'accord? Mes parents vont s'inquiéter, s'il te plaît. Allô? Monsieur le commissaire. Oui, madame, je vous écoute. Mais je ne comprends pas votre incompétence dans ce pays. Eh, hey, madame. Depuis combien de temps je vous ai mis sur le dossier de ma fille? Non, calmez-vous, madame, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à trouver ma fille. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes une bande d'incompétents. Non, calmez-vous. Mais je vais tout faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand je serai président de la République, je vous enlèverai de votre poste. Eh, hey, madame. C'est quoi le problème avec vous? Eh, hey, bande d'incompétents. Tu étais avec qui au téléphone tout à l'heure? J'étais avec le commissaire. Le commissaire? Jusqu'à présent, ils n'ont pas pu retrouver Adam. Attends. C'est sur le commissaire que tu criais comme ça? Mais bien sûr. C'est un incompétent. Tu sais. Amnata. La femme et le pouvoir. Alors chérie. Oui chérie. Dis-moi, comment tu as trouvé la soirée hier? Magnifique. Vraiment? Mm-hmm. Je ne l'ai pas hein, sinon. Chérie, tu sais, je ne peux pas te flatter, tu sais. Ah bon? J'ai vraiment aimé notre soirée. Le fait qu'on est sorti balader, ouais. Après on a passé la nuit ensemble. Ouais. J'ai trop aimé. C'était magnifique. Et ce matin, je vois comment monsieur prend soin de moi. J'ai vraiment aimé. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'est normal. Moi également, j'ai vraiment aimé la soirée d'hier. Oh, merci, chérie. Merci. Et puis, la preuve d'amour dont j'avais besoin, tu me l'as donnée en réalité. Merci, ça me fait plaisir. Le plaisir est partagé. Et sache que je n'oublierai jamais cela. À propos, oui. Concernant l'histoire avec ma femme, oui. Je ne t'ai rien dit le jour parce que elle avait prévu de faire un petit voyage à l'extérieur. Je voulais tester. Je voulais savoir si tu allais accepter de me suivre, tout en sachant que ma femme était là. Mais tu as pris ce risque et ça m'a vraiment touché. Oui, chérie, tu sais. Oui. Je t'ai suivi pour venir ici, oui. Sachant que ta femme est à la maison. Oui. Mais tu sais, je suis toujours inquiète. Oui. Tu sais, comme depuis hier, on est ensemble. Mmh. Et là, jusqu'à présent, je n'ai pas parlé à mes parents. Justement. Et je sais qu'ils sont inquiets, surtout maman. Et vraiment, j'aimerais appeler mes parents. Ah, oui. S'il te plaît, j'aimerais allumer le téléphone et le faire. Non, mon cœur, s'il te plaît, laisse qu'on va finir de manger d'abord, avant que tu ne les appelles, d'accord? Oui, laisse s'il te plus plaît. Tard. Je veux qu'on profite de l'occasion, toi et moi. Faut pas gâcher ce moment inoubliable. D'accord, s'il te plaît, j'ai besoin de manger. D'accord. Non, non. Yeah, man! This is for you, the big tea food. I come from Ivory Coast. Soulja, fais le beat. Je vais leur montrer que je viens d'ici. Je suis trop validé. Si vous n'êtes pas validé, chérie, c'est très beau. Tu trouves ça? Oui, c'est très beau. Ah, d'accord. Chérie, s'il te plaît, je vais appeler mes parents. Ah oui. Tu ne vas pas laisser qu'on finisse de manger d'abord? S'il te plaît, je suis inquiète, tu sais. Vraiment? Oui. D'accord, appelle-les dans ce cas. D'accord, merci. Yeah, man! This is for you, the big tea food. I come from Ivory Coast. Soulja, fais le beat. Je vais leur montrer que je viens d'ici. Je suis trop validé. Hey! Chérie! Oui? Eh, tous ces appels manqués de maman. Oh mon Dieu, je vais faire quoi? Mon cœur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mon cœur? Regarde,
les appels manqués de maman. Ah bon? Ignateur, calme-toi, calme-toi. Chérie, je vais dire quoi à maman? Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Maman m'a tellement appelé. Regarde ses appels en absence. Oh, message. Waouh! La fille est joyeuse. La fille Adam, elle est joyeuse. Allez, calme-toi, calme-toi. Regarde-moi, chérie. Regarde-moi, regarde-moi, s'il te plaît. Tout va bien se passer, rassure-toi. Regarde-moi, bébé, regarde-moi. Rassure-toi, d'accord? Elle est juste inquiète. Calme-toi, d'accord? Rassure-toi, tout va très bien se passer. Tant que tu es avec moi, tout va bien se passer, d'accord? Tu n'as aucun souci à te faire tant que tu es avec moi. D'accord, j'ai compris. Donc, calme-toi, d'accord? Oui. Essaie de l'appeler, toi. Au stade où nous sommes actuellement, on doit vraiment rester serein et rester tranquille. C'est vrai que la disparition de notre fille nous affecte beaucoup. Mais il faut que... C'est quoi? Qui appelle? Attends, c'est Adam qui appelle. Quoi, Adam? C'est incroyable. Attends, décroche. J'arrive pas à y croire. Non mais Alors, parle, s'il te plaît, mais arrête ça, qu'est-ce qui se passe finalement ici? Allô. Bonjour, maman. Mais ma fille, où ma fille? Où étais-tu passée? Qu'est-ce qu'elle dit? Où étais-tu passée? Tu es où? Maman, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Non, maman, je vais bien. Je vais bien, s'il te plaît. Je ne suis pas loin de la maison. Tu n'es pas loin de la maison, c'est-à-dire? Ça fait combien de temps? Je ne suis plus loin de la maison. Juste quelques minutes de la maison. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît, maman. Je ne suis plus loin, d'accord? Ton père et moi, nous sommes très inquiets. Maman, ne t'inquiète, j'arrive, je suis loin. Attends, je l'appelle. C'est numéro 1. Oh, elle est en communication. Attends, on aura un jour faire te chercher. Mais elle est où? Dis-moi, Amrita, mais qu'est-ce que... Tu la comprends là-bas? Prends le téléphone. Allô, ma fille, allô? Oui, papa, je ne suis pas loin de la maison. Tu n'es pas anglais? D'accord, dépêche-toi alors. Nous, on t'attend, on est très impatients. J'espère que ça va quand même. D'accord. Dieu merci. Chérie, je dois aller à la maison. Maman est trop inquiète. Elle doit sûrement s'inquiéter. Oui, s'il te plaît, accompagne-moi. Qu'est-ce qu'on doit faire, chérie? Non, mais c'est ce que je te disais. Je dis, il faut garder le sang-froid. Il faut être. Tu sais, actuellement, on est dans une période de campagne. Donc tout peut arriver, d'accord? Mais il faut pas t'affoler. Quand tu t'affoles, c'est pas ça qui va envoyer la solution. Est-ce que tu comprends? Mais tu vas pas laisser qu'on finisse le plat d'abord? Non. Imagine. Ma fille, chérie, s'il te plaît. Il faut garder le sang froid en toutes circonstances. Imagine, l'autre jour, je t'ai dit que si tu gardais pas le sang froid quand on est allé au commissariat, imagine qu'il y ait des gens de la presse là-bas qui prennent quelques images de toi aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On va dire que la présidente, celle qui souhaite être la présidente de la République du pays béni, c'est une dame qui ne peut même pas maîtriser son sang-froid face à une situation. C'est pour ça que je te demande de garder le sang-froid. Est-ce que tu comprends? S'il te plaît. D'accord. Prochainement, d'accord? Oui, d'accord. Je suis désolé, mon cœur. Désolé, mon cher. En tout cas, il faut essayer de changer ces choses-là. Sinon, vraiment, si tu continues comme ça, là, c'est pas bon. Tu sais, la fille, elle vient de dire, même pas ça va, on sent qu'il y a rien. Mais tu sais... Je pensais qu'elle s'était fait kidnapper. Tu sais, avec la politique est très compliquée. Non, mais une grande fille comme ça, comment est-ce qu'elle va se faire kidnapper? Je te dis depuis l'autre jour, je ne cesse de te dire qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait. C'est sûr que c'est un faux coup qu'elle nous a monté comme ça. Et puis voilà. Voilà pour juste pour... Les choses là, tu as perturbé mon sommeil, vraiment. Je suis désolée, mon cœur. Les choses me sont tombées dessus avec le cauchemar que j'ai fait. Tout est allé comme ça en vrac. Je suis désolée, mon cœur. Je suis désolée. L'essentiel, quand on la retrouve, saine et sauve. Tu sais à quel point on doit se faire pour la voir. Donc, du coup, je ne pouvais pas me maîtriser. Là, il va falloir qu'on aille au commissariat demander pardon au commissaire. Tu vois, tellement celle-là, elle est peut-être pressée pour son voyage-là, qu'elle a oublié de mettre toutes ses affaires-là comme ça. Et puis, elle s'est barrée, quoi. Tu vois, ma femme-là,
faudra vraiment que je la divorce pour te marier là. Comme je te l'avais promis. Parce que là, je lui dis... Non, moi je ne vais pas, c'est toi qui vas le faire. Ça, c'est des choses à ne pas faire. Toi, tu ne sais pas, c'est vrai que la politique, disons, la police n'est pas intégrée dans la politique. Mais est-ce que ça fait une bonne image de ton parti? Il ne faut pas faire... Peu importe ce qui arrive, il faut garder le sang français. C'est ce que je te conseille quand même, d'accord? Moi, je vais prendre une douche le temps que Adam arrive, d'accord? Oh, d'accord, mon frère, vas-y. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là, l'essentiel qu'Adam arrive, qu'elle soit rentrée. Sincèrement, que mon cœur arrive, mon cœur soit rentré. C'est tout ce qui compte pour moi. Ah, mais le Typhoon, il est très en colère. Hein. Mais lui... Chérie. On y va. Allons-y. Si. Mais avant, tu me fais un câlin. Je vais leur montrer que je viens d'ici. Je suis trop validé. Enfin, j'ai tellement souffert pour qu'un enfant. Eh, Dieu, c'est grâce à toi que je retrouve enfin mon petit diamant. Attends. J'appelle sa mère. Ah, qui m'appelle? Encore ce commissaire qui va me prendre la tête. Je vais répondre quand même. Allô? Allô, bonjour madame. Oui? Oui, c'est le commissaire. Je vous avais dit que votre fils sera retrouvé. Oui, elle est joignable. Et je viens de l'appeler tout de suite. Mais là, elle était en communication. Eh bien, vous faites comme ça, vous êtes toujours comme ça. Hein? Les médecins après la mort. Oh non, madame, désolé, madame. Qu'on fait, elle m'a déjà contacté, donc voilà, je vois pas l'intérêt de votre appel. Hein. Elle m'a déjà contacté, elle va très bien. Oh madame, vraiment, je vous dois des excuses. Voilà. Excusez. Oui, merci. Bonne journée. Yeah man, this is for you, the big Typhoon. Elle communique avec ta mère. I come from Ivory Coast. Vraiment. Lorsque je serai présidente du pays béni, j'aimerais avoir plus de confort que maintenant, que ma vie change. Je ne veux plus mettre ce genre de vêtements, ce lit pourri là, oh là là. Cette chambre me dégoûte. J'ai hâte d'être la présidente de ce pays pour avoir la liberté, la paix et la vie de luxe dont j'ai toujours rêvé. Oh là là, mon Dieu. Quand c'est jour, tu m'as donné Adam. Alors, parce que je suis présidente du pays béni. Moi, s'il est validé, mon rap est validé, le beat est soudain est validé. Typhoon yeah, est validé. This is for you, the big Typhoon. I come from Ivory Coast. Soulja, belle beat. Je vais leur montrer que je viens d'ici. Je suis trop validé. Typhoon est validé, moi, s'il est validé, mon rap est validé, le beat est soudain est validé. Typhoon est validé. Mais est-ce que tu vois ce que je vois? Mais est-ce qu'il y a une bola? Il y a une bola, oui. Allez, les doigts. Oui, je pense que le président de notre pays. Allô, mon cœur. Oui, chérie. Maintenant, je te ramène à la maison. Oui, chérie, mais il ne faut pas que tu arrives chez nous. Et comment ça? Tu sais que j'ai chômé le coup et il ne faut pas que maman sache que je suis avec toi. Ah oui. Oui, il ne faut pas que maman nous voit ensemble. Oui, maman doit sûrement t'attendre actuellement. Oui. Elle doit être très inquiète. Oui. D'accord, dans ce cas, je te dépose en cours de route alors. D'accord, chérie. C'est elle, n'est-ce pas? Oui, c'est la fille de la présidente. Attends. Le boss.
Allô? Boss. Je suis venu à la présidente Nini Kafara. Elle a la sécurité de la France. Mais en fleur, on a sans ça, on a pas de mousseurs là. Ah ouais, on a tout le monde qui est là. En fleur, on a tout le monde qui est là. Hein? Kafara? Ok, ok. Pas de problème. À vos ordres. Allez, on y va, mon cœur. Okay. Alors, attends, apparemment, il y a des gens qui arrivent à Ami. Chérie, tu veux faire quoi comme ça? Je remarque des hommes armés qui nous encerclent. Descendez, descendez, descendez! Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Il a un grand! Ferme-la. Allons-y. Oh, 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 c'est quoi ce bordel? Il est tiré le monsieur. Quel monsieur? Il est... Tu sais, tu viens de tirer sur mon employeur là, à l'instant. Tu viens de tirer sur mon employeur, ça va pas à la tête? Tu sais le bordel que tu viens de foutre? Pardon, ma voix. Pardon? Pardon, moi. Pardon? Tu me demandes pardon? Tu viens de tuer mon employeur, tu me demandes pardon? Pardon, ma voix. Tu demandes? D'accord, on se casse d'ici, vous venez de foutre le bordel. Allez, on se casse, allez, ramassez tout. On dégage. Ah!